Lecture du texte Le maître et le scorpion. Manuel scolaire, page 99. Le maître et le scorpion. Un maître vit un scorpion en train de se noyer. Il décida aussitôt de le tirer de l'eau. Une fois sauvé, le scorpion lui piqua le doigt. De douleur, l'homme lâcha l'animal qui retomba à l'eau. Le voyant encore en danger, il tenta de le sauver. Mais dès qu'il mit la main, le scorpion le piqua de nouveau. Un passant, témoin de la scène, s'approcha du maître et lui dit « Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi insistez-vous à sauver cette bête ingrate? Vous voyez bien qu'elle vous pique à chaque fois que vous la sauvez. La nature du scorpion est de piquer. La mienne est d'aider, répondit calmement l'homme sage. Il saisit alors une feuille et tira le scorpion hors de l'eau, le délivrant ainsi d'une noyade certaine. Puis, s'adressant de nouveau au jeune homme, posément, il continua. Quelle que soit la situation, on prend des précautions sans changer de nature. Il est vrai que beaucoup de gens oublient vite le bien qu'on leur fait. Il y a même ceux qui nous font du mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit changer notre façon d'être. Gardons notre nature. Où que nous soyons, nous cessons pas de faire le bien. Le maître et le scorpion. Fable d'Orion. Merci et à bientôt.